Parasite nomade, l'esprit libre, avant. Bonjour mon loulou, bonjour ma tata, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Spot super sympa. On a l'eau gratuite. Là, je viens de découvrir, l'électricité est gratuite, on va y venir dans un instant. Je suis là depuis hier soir, je suis arrivé hier vers 17h. J'ai posé les cannes, j'ai fait une brème à 3h du matin. Juste là-bas, il y a le montgolfière qui arrive sur Doubs. À côté de moi, il y a un nid de cigogne. Je vais te montrer des photos dans la vidéo. J'ai pris le réflexe, j'ai pu les shooter. Par contre, comme un âne, j'ai oublié mon trépied. Et du coup, je peux pas en prendre en vidéo si jamais la montgolfière arrive. Mais non, elle s'éloigne par là-bas, donc elle venait de là-bas. Tant pis. Voilà. Là, juste là, tu vois, il y a un nid. Il y avait des cigognes hier soir, je les ai entendues, elles ont claqué du bec. Là, on a juste le petit, mais on le voit pas, il est camouflé dans le nid, là. Il est là. C'est un spot qui est vraiment magnifique, hein. Oui, salut mon chouchou. Et tu vois, il est juste là. Qu'est-ce qu'il nous fait, le bourricot, là? Filmez tout. Du coup, le spot, regarde un peu. Donc, secteur de nuit sous l'eau du canal. J'ai amorcé copieusement hier. J'ai rien fait, je suis dégoûté. Donc j'ai tenté en spinner, j'ai tenté en... Tiens, lui, il relève une bourriche et s'il pêche, lui. Il pêche les écrevisses, le père. Bref, j'ai tout tenté, une brème. Bon, c'est pas grave. C'est parti du jeu, on va changer de spot et de région. La semaine prochaine, ça va dérouler, puisque là, je vais sur un spot que je connais. Donc, je vais refaire des bouboules. J'ai commandé la reliquarpe manuelle en 15 mm. On va faire de la 15 mm une fois à la main, qui arrive vendredi d'Italie. Donc, c'est reliquarpe. Hein. C'est que j'avais commencé chez eux en 2015 avec la reliquarpe motorisée. J'ai cramé le moteur un an après. Et du coup, je me suis dit, c'est des bonnes machines qui marchent bien sans moteur, parce que ça roule vraiment les billes bien rondes et ça va très très vite à rouler, hein, à la main. C'est que moi, je passe à peu près 10 kilos par week-end. J'en ai largement assez, surtout que je roule frais, hein, je veux pas de conservateur. Donc du coup, je vais pas faire plus et ça sert à rien d'avoir un truc automatisé tout full, parce que j'avais commandé, tu sais, comme je te l'avais dit dans la dernière vidéo, une machine professionnelle qui n'est pas arrivée puisqu'ils ont des problèmes de livraison. Donc j'ai annulé, j'ai eu un remboursement et puis j'ai fait une belle économie, tout simplement. Voilà, on reparle du spot. Tu vois, je suis branché, j'ai sélectionné aucun truc. Il y a un bug, je pense, puisque tu vois, l'élec est gratuit. Là, ça me demande de sélectionner mon bazar. Là, tu vois, c'est pourtant... Et la flotte marche pas, par exemple. Attends, je vais pas faire le côté là, puisque... Normalement, tu dois sélectionner, ça s'affiche en bleu, tu vois. Là, ça marche pas. Et tu vas voir, on va retourner au véhicule. Mon délec fonctionne. C'est un spot qui est bien, parce que tu as l'eau. Alors, si jamais tu veux venir en camping-car, te brancher pour pas payer les 2 euros pour remplir 20 minutes, tu prends des voleuses. Hein. Des voleuses, c'est des embouts qui s'achètent sur Amazon, que tu viens mettre ici. Et que tu visses, et après tu vas mettre ton tuyau et un serre-joint, et tu viens maintenir ici pour être le serre-joint pour pouvoir laisser couler ton eau. Donc là, tu as un chiotte à la turque, là, chiotte handicapé, donc tu peux venir avec tes crocs prendre une douche si jamais il flotte et tout. Tu chauffes ton eau dans le camping-car ou je sais pas où. Et je cherchais un tuyau d'eau, non, il n'y a pas de tuyau d'eau. Autrement, on aurait fait notre branchement, tu sais, notre fameux branchement. Ah, c'est peut-être à la turque. Bah non, même pas. On aurait fait un branchement avec un raccord piqué. Bref, les poubelles. Donc bien respecter le tri. Hein. Moi, j'ai ma poubelle devant le camion que je baigne directement dans les conteneurs. Hein. Là, tu as des tables. Ici, également, tu as une table. Voilà. Donc c'est une aire qui est destinée aux bateaux de plaisance. Et t'as beaucoup de bateaux. Il y en a un qui est venu hier justement à 17h. Je pensais que c'était lui qui avait pris l'électricité. Ce qui m'a dit, j'ai pas pris de batterie, je me branche. Mais il avait pris que 2 heures, tu sais, d'élec. En plus, il a payé.
Parce que je me serais dit, sinon, j'étais branché sur lui. Mais comme il était là, il était sur la première prise, ça vient pas de ça. C'est, je pense, un bug. Tant mieux. On va rester 2 journées de plus. Même si ça mord pas, je m'en fous. Profiter du ventilateur avec ces grosses températures caniculaires qu'ils annoncent. Et on a des spots qui sont vraiment sympas. La nature nous offre aussi de beaux moments avec les petites cigognes là. C'est cool. Et voilà. Voilà, voilà. Regarde un peu. Et là, je suis à vitesse à fond. Je vais même me refaire un café, tu sais, avoir le luxe. Comme j'ai racheté les dosettes. J'avais pris le réflexe, tu vois, j'ai shooté les cigognes, je vais te les mettre dans la vidéo. Et la montgolfière, tant pis, elle est pas là. Elle est passée de l'autre côté. Puis là, tu vois, tu viens mettre ta cabine de douche là, t'es peinard, y a pas un rat. Ça, c'est bien. Ça, c'est des spots que j'aime, ça. Ça, c'est des spots que j'aime. Donc, on a pris le PC. PC fixe. Or, c'est uniquement, tu sais, pour les papiers, pour transférer les photos, les vidéos, etc. Mes papiers, comme je vais partir au Portugal cet hiver, du coup, j'aurai besoin de faire mes papiers, forcément. Donc voilà, on va faire témoigner du bord. Et hier, je l'allume. Alors, petite panne informatique, hein, bien évidemment. Je l'allume, quand ton PC s'éteint, il se rallume, enlève une barrette de mémoire. C'est soit une barrette de mémoire qui est cramée. Moi, je pensais que c'était la barrette de mémoire qui était cramée. Je l'ai enlevée. Je rallume, il redémarre. Je l'ai remis, ça a redémarré aussi. Du coup, il y avait peut-être un bug avec la barrette de RAM. Et voilà. Oh, bah là, je me fais plaisir. Je vais recharger ma lampe. Je vais recharger toutes mes lampes. Les batteries externes aussi. Que je charge, tu vois, je suis branché sous le touré. Ah là, c'est open bar. Tata m'excusera, mais. Et je te jure, j'arrivais, je me branche, puis je sens le jus comme ça. Je dis, oh, c'est bizarre ça. Mon ami, il y a un loup. Ben non, tu vois, le loup. Le loup, il est gratuit. Mais bon. On va en profiter, c'est pas tous les jours que c'est gratos, ça. Mais je le note sur un petit carnet, parce que là, le secteur de nuit, il est ouvert. Hein. Mais, pouah, franchement, c'est une région. Je suis déjà venu 2 fois sur ce canal-là. J'ai jamais rien fait. Autant en Meurthe-et-Moselle, le canal de Champignol, ça déroule à fond les ballons. Mais alors, celui-là, pouf, oh, qui est capricieux. Pouh là là. Plus de ça, l'électricité gratuite et toutes les chaînes, donc c'est cool. Là, j'ai posé la cabine de douche, tu vas voir, j'ai fait du changement de la douche et on a vu sur les cigognes. Donc ce soir, j'essaierai de te faire une petite vidéo, mais on verra pas bien les cigognes avec mon téléphone, hein, c'est un téléphone de merde, mais je vais pouvoir prendre ma douche avec les cigognes. Et t'as vu, j'ai fait du changement encore. J'ai récupéré à la place de la douche Weber que j'ai fabriquée, que t'avais vu sur ma vidéo, le filtre British Berkefield, parce que au point relais, je reçois 2 nouveaux panneaux solaires. Tu sais, j'avais les Dokyo en 100 watts qui ne chargent pas. Je me suis commandé pour 125 € pièce les EcoFlow, donc 2 fois 100 watts, qui ont des très bons avis, qui font 100 watts. Le régulateur MPPT, celui-là, je le change parce que ça charge pas ma batterie. Il est configuré d'usine. J'avais pas pris la version Bluetooth parce que pour le deuxième, je me suis dit, tiens, je vais pas la prendre. Et comme il est configuré d'usine, j'ai pas été dans les paramètres pour mettre lithium. Du coup, il charge quasiment jamais. Et j'ai repris le même, mais en Bluetooth, qui arrive aussi au point relais. Donc celui-là, je le mettrai de côté parce que j'avais déjà un Bluetooth, tu l'avais vu, quand j'avais tout mon merdier là. Mais je l'ai remis sur mon panneau solaire pliable. Donc ça va changer. J'ai remis mes 2 batteries 100 Ah ensemble, donc ce qui me fait 200 Ah du coup. Et puis tiens, on descend, je vais te montrer un petit peu l'install que je me suis fait pour ce soir, parce qu'il y a Magret Tianard ce soir. Ouais, attends, je vais te montrer ça. Ce soir, il y a Magret de Canard. Alors, il est là,
On va se régaler à midi mondaine. Petit burger dans le pain de mie hein, avec les steaks, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, puis je peux me faire des croque-monsieur aussi. Je vais peut-être rester encore demain, tiens. Ah ouais, je vais rester. Attends, l'élec qui est gratos, je vais rester demain. Alors, regarde. Le petit camp de base. Donc là, je me suis mis mon gaz pour chauffer mon eau. Là, j'ai le petit grill pour faire mes croques. Ma flotte, donc, que je vais chercher à côté, hein, pas loin, hein, t'as vu, hein, gratuitement. Là, c'est pour remplir mon éthanol pour le groupe électrogène. Là, on a notre petite cigogne qui est juste là. On va aller dans la douche, tu vas voir. On va prendre la douche avec les cigognes. Mais avant, je vais te montrer une chose. Le micro, on est repassé de l'autre côté, puisque du coup, comme j'ai mis mon PC ici, j'ai trouvé un logiciel hein, gratuit hein, pour les PDF, les retourner, les machiner pour la CAF, etc. Je te le dirai dans d'autres vidéos, ça, parce que c'est gratuit, c'est pas payant, mais là, j'ai envie de garder le suspense, hein, parce que tu sais que, comme je vis sur la route, c'était chiant. Avec le téléphone, j'avais pris 3 applications pour retourner le PDF, remplir, machin, la CAF n'avait pas bien lu. Donc là, j'ai retrouvé un truc, ça s'appelle Sejda PDF. Tu regardes sur Google. Tu peux télécharger, convertir, ajouter des images, effacer. Enfin bref, c'est pas à mettre dans la main de tout le monde. C'est gratuit. Tu peux en faire 3 par heure. Donc après, faut attendre 1 heure si jamais tu t'es planté. Donc voilà, ça me permet de moi de, bah, sur des spots comme ça, tu vois, de remplir mes dossiers trimestriels à la CAF pour la H, hein, l'allocation adulte handicapé. Comme il m'envoie toujours le PDF retourné, il faut retourner d'un sens, puis dans l'autre, puis éditer, puis signer, puis machiner. Donc là, avec Sejda, tout se fait automatiquement. Enfin, c'est à toi de le faire, mais c'est gratuit. Donc voilà, j'ai remis mes 2 batteries ici. Tu vois, j'en profite pour les recharger de nouveau sur le secteur, puisque comme le courant est gratuit, j'avais remis des prises là, la sortie 12 volts là, parce que, ouais, tu vois, le régule, normalement, là, il fait beau soleil, il devrait charger. Il devrait charger, il charge pas. Forcément, il est configuré d'usine, il aurait fallu mettre le jungle à côté Bluetooth, puis rentrer batterie lithium. Donc je peux toujours m'asseoir, et puis le Dokio, comme il avait pris la grêle la dernière sortie, eh ben il est temps de le changer. Donc on va... J'ai commandé du fil à pare-brise. Hein. J'ai commandé du fil à pare-brise, je vais passer ici pour décoller le panneau là. Tu vois, le Dokio, il avait pris un peu la grêle, il a rien, mais de toute façon, Dokio, ça charge pas. Ça charge pas. Donc l'idée, ce serait de mettre les 2 en long après, les écoflots, donc refaire propre, un coup d'acétone, machin et tout. Voir si j'ai assez de câblage pour pouvoir remettre, tu sais, les 2, je vais les mettre en série. Bien nettoyer le dessus. Donc ça arrivé au point relais. Hein. Donc il va falloir que je m'y attache semaine prochaine. Et ça va, j'ai rien. Non, ça saignait pas, c'est bon. Voilà, c'est mort. Le groupe électrogène, donc tu l'as vu, il est là. Donc je ne te rappelle plus avec la roue, ça ne sent plus l'échappement. L'éthanol fait le job. Pour l'huile de groupe électrogène, je n'en prends pas. Tu vois, moi j'ai mis l'huile de mon fourgon, la 530. Ça fait le taf. Il n'est jamais tombé en panne. Comme je te l'ai dit, l'hiver, il est un peu plus long à démarrer. Il faut tirer 10 de fois sur la corde au lieu de 3. Enfin, une fois quand c'est du 98. Mais là, comme il fait beau, c'est 2-3 fois, tu vois, pour l'amorcer à l'éthanol. Et il n'y a aucun problème. Donc voilà un petit peu le bazar hein, en attendant. Parce que là, là, c'est le merdier. Je te dis, j'aimerais bien soit à la limite trouver, tu sais, une caravane pliante estérelle en bon état. Mais j'ai regardé sur Bon Coin et les ventes chères. Pour pouvoir tracter ma maison. Et puis ça, à la limite, le fourgon là, bah ici, je viendrai mettre ma machine à bouillette, tu vois. Le frigo passerait dans la caravane. Et puis la télé dans la caravane. Et tout ça, en fait, que du stockage, tu vois, pour mes farines, mes cannes à pêche, le zode, etc., etc. Mais voilà, ça, c'est un projet. Que d'acheter cette remorque neuve à 3000 euros. Et puis la traballer tout le temps. Les estérelles, c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus bas quand c'est plié. J'en avais une, hein. Tu te souviens, quand tu m'avais vu au canal à Champignol. Je venais avec une caravane pliante estérelle que j'avais rénovée. J'avais même racheté des vérins, tu sais, pour remettre des vérins propres et neufs, parce que les autres étaient usés. Hein. Les caravanes, c'est des vintage. Donc ça, ce serait l'objectif, tu vois, à la place de la caravane, enfin de la remorque, parce que je me rends compte que finalement, je pourrais tout mettre dans le fourgon. Et là, la douche, tu vois, j'ai remodifié, j'ai repris un raccord sur AliExpress pour pouvoir mettre les trucs pour arroser le jardin. Ce qui fait que ça se déclipse très facilement, ça se range bien. J'ai récupéré de la place et puis voilà, je trempe ça dans mon eau chaude.
Et comme je vais partir, ça sert à rien. Et le filtre British, c'était important. Regarde, le nid de cigogne, tu le vois là? Voilà, ce soir, on prendra une douche avec les cigognes. J'espère qu'on les verra. Faut que j'y pense à te les montrer. Ça, c'est le top. Bon, mon Dan. Tu te pensais, mon Dan? On va se mettre bien, hein. Bon, on vient d'arriver chez Tata, j'ai reçu pas mal de choses et Loulou, notamment tous mes fûts pour le roulage de billes. J'ai la machine qui arrive tout à l'heure. Voilà, j'ai filet de séchage, j'ai reçu la balance. Bon, là, j'ai récupéré mon ancien batteur et là, on va s'installer les deux panneaux EcoFlow, donc 100 watts. Là, j'ai pris le fil à pare-brise hein, pour décoller l'ancien panneau. Mes nouveaux filtres pour le British Berkefield. Lucica et le nouveau MPPT qu'on va mettre. Là, ça va changer la vie. Et c'est parti. Et bien voilà que ça change la vie, mon loulou. On est à 100% de batterie avec le nouveau régulateur, les deux panneaux solaires EcoFlow. Impeccable, impeccable, impeccable. N'oublie pas de t'abonner, loulou. On va se laisser parce que là, je suis dans la farine. Toi, je respire la farine et la farine. Allez, je te fais des gros bisous. Salut, bye bye. Prends soin de toi.